Allô tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui va être, je remarque, qui va être mes produits Bath & Body Works. Parce que j'en ai vraiment beaucoup, puis je me suis dit, c'est ça d'en présenter. D'en présenter, fait que c'est ça. Ben, on y va tout de suite. Ben, c'est ça. J'ai rien à dire. Ok, on commence. Je vais commencer par les crèmes pour le corps. Après ça, je vais passer avec les chandelles. Puis après ça, avec les purées. Ok. Fait que pour les premières crèmes, je me suis fait une nouvelle coiffeuse. Je peux peut-être vous présenter à quoi ça ressemble dans une autre vidéo. Tu m'as dit en commentaire, même si personne, probablement personne qui va voir mes vidéos. Mais si une personne qui aimerait vraiment ça, voir ma coiffeuse, ben dis-moi-le parce que j'ai vraiment fait une nouvelle coiffeuse. C'est pas beau. Fait que pour les crèmes pour le corps, j'en ai trois en gros format comme ça. Fait que le premier, c'est le Georgia Peach and Sweet Tea. Comme ça, qui sent super bon. Je les ai pas utilisés encore, mais parce que je viens juste de les avoir, je les ai achetés jeudi. Après ça, c'est le Bourbon Strawberry Vanilla. Je sais pas comment ça se dit ça. En tout cas, ils sont super bons, ici. Et le dernier, c'est Peach and Honey Almond. En tout cas, lui, c'est une différente collection que des deux autres, mais je trouve qu'il sent super bon. Puis en passant, j'ai un coup de cœur ce mois-ci pour la pêche. Je sais vraiment pas pourquoi. J'ai pris deux crèmes à la pêche. Je trouve que ça sent super bon la pêche, mais j'ai jamais remarqué vraiment. En tout cas. Alors, ça pour les formats comme ça, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10. Fait que le premier, comme vous avez vu, c'est le Sweet Pea. C'est vraiment des vieux formats là. Ça fait longtemps que je les ai, mais ils sont super bons pareil. Après ça, je l'ai utilisé. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai utilisé. Ils sont super bons, mais je l'ai mis quand même là. C'est le Japanese Cherry Blossom. On peut voir. Mais ils sont super bons. Lui, je l'ai commencé à utiliser du tout, mais pas beaucoup lui. C'est le Pink Chiffon. Ils sont super bons. Après ça, j'ai le Moonlight Pad qui sent super bon, mais je ne l'ai pas utilisé. Ça, c'est plus des nouveaux. Je l'ai acheté une coupelle de mois passé. J'ai le Cashmere Glow. Ça sent super bon. Si, je l'ai acheté une coupelle de mois passé lui aussi. Je l'ai acheté tout ensemble. Et j'ai le Sia. Si, si, si ou si, oh, je sais plus. Non, c'est si. Island Cotton que j'ai commencé à utiliser. C'est super bon. Oui, j'en utilise comme 10 en même temps, t'sais. Non, c'est. Des fois, j'en utilise un, des fois, j'utilise l'autre. En tout cas. Après ça, j'ai le Twisted Peppermint que j'ai eu pour Noël. Fait que j'ai commencé à utiliser. Mais vraiment pas beaucoup parce que c'est le Holiday Tradition. Je vais l'utiliser plus en temps de Noël. J'ai le Winterberry Wonder que lui, j'ai pas utilisé. Le Magic in the Air que j'ai encore pas utilisé, que j'adore cette senteur-là, Magic in the Air. Et le Snowflakes and Cashmere. Qui sent super bon, mais je l'ai pas utilisé encore. Là, je vais essayer de remplacer ça là. Je vais juste. Après ça, j'ai trois chandelles. Fait que la première que j'ai déjà commencé à utiliser, c'est la Buttercream Icing. Qui sent super bon. Ça fait vraiment longtemps que j'ai des chandelles, mais je n'en achète jamais. Parce que j'ai un brûleur dans ma chambre qui diffuse une très bonne senteur. Et puis les chandelles, c'est plus dangereux. Donc, c'est pour ça que j'en utilise vraiment moins souvent. C'est pour ça que j'en ai trois. La deuxième, qui est une senteur, ça c'est plus une senteur d'automne, printemps, là, les deux genre. Non, c'est plus automne. Après, ça, une senteur d'été que j'adore, c'est le Mango Dragon Fruit qui sent. Alléluia, mamma mia! Ça sent ça sent les fruits. Vraiment, ça sent super bon, je l'adore. Et la dernière, qui est une chandelle vraiment d'hiver, qui sent fort. Ça sent un peu. Ça sent qu'elle a une drôle de senteur. Je sais pas pourquoi. Mais non, mais vraiment, elle sent vraiment fort quand même. Une senteur d'hiver. Fait que je l'adore. Les deux, là. J'ai oublié de le dire, c'est Love. Je l'ai dit, je sais plus. Love et Dragon. Non, Mango Dragon Fruit, je les ai pas utilisés, mais la Buttercream Icing, c'est celle que j'utilise en ce moment. Après ça, pour les purelles, j'ai le premier. Ben, j'ai. Le premier, qui est le Magic in the Air. Puis il y a comme des petites paillettes dedans, mais je sais pas si vous voyez, là, oui, vous voyez.
The Magic in the Air. Le deuxième, c'est le Feast Mode. Donc, c'est la collection Feast Mode. C'est la senteur Sweet Cinnamon Pumpkin. Donc, j'ai comme deux rangées de quatre. Puis, la première rangée, il y a les senteurs d'été et d'automne. Puis, la rangée d'en avant, il y a les senteurs d'été et d'automne. Les senteurs d'hiver et d'automne, la rangée d'en arrière et la rangée d'en avant, il y a les senteurs d'été. Fait que c'est sur le Feast Mode. Après ça, j'ai celui-là qui est une édition limitée, qui est la collection Beautiful. Beau, c'est vraiment le B-O-O, Beautiful. Puis c'est la senteur Pumpkin Pie, puis Rose, c'est pas beau. Après ça, le dernier, la collection Hiver-Automne, c'est. Ok, je savais vraiment pas que c'est la marque dessus. J'ai le nez qui pique, puis j'ai le nez bouché. Si vous m'entendez parler du nez, c'est parce que j'ai le nez bouché. Fait que faites pas attention si je fais tout le temps ça. Même, ok. Fait que c'est A Thousand Wish. C'est vraiment le A, pas Thousand Wish. C'est vraiment le A, Thousand Wish. Comme ça, que ça, c'est une senteur plus d'hiver. Magic in the Air et A Thousand Wish, c'est vraiment des senteurs d'hiver. Et Feast Mode et Beautiful, c'est vraiment des senteurs d'automne. Après ça, pour les senteurs d'été, j'ai Beautiful Day, qui sent super bon. Peach Bellini, qui sent vraiment bon. Lui, j'en jette toujours des savons pour les mains de cette senteur-là, parce que j'adore ça. Le Sweet Pea, ça. Oh, God! Ça, j'aime vraiment Sweet Pea. J'ai la crème, j'ai tout, vraiment, j'adore Sweet Pea. Et le dernier, qui est mon préféré, j'ai mes savons à main, c'est toujours, 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 toujours cette senteur-là. C'est le Black Cherry Mellow. Si vous savez pas c'est quoi du Mellow, c'est une sorte de vin. Vous allez dire, yak, du antibactérien au vin. Le savon pour les mains, ça sent vraiment la Black Cherry, la cerise noire. Mais ça sent vraiment plus le vin à cause de l'alcool qui est fort, puis ça fait la senteur vraiment du vin. Mais ça sent super bon pareil. Mais je trouve que le savon à main, ça sent vraiment plus bon que ça, mais ça sent super bon pareil. Le savon à main, ça sent vraiment plus la Black Cherry et la cerise noire que le vin. Parce que du Merlot, c'est du vin. Je pourrais peut-être. Non, fait que. C'est tout ma vidéo. Merci d'avoir écouté. Allez vous abonner, allez liker. C'est ça. Bye!